Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça va, Gabriel? T'arrives à suivre? Oui, allez-y. Très bien, je continue. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah bah c'est quand même bien plus pratique avec de la lumière. J'avais vraiment écrit n'importe quoi. Allez, mon petit, on enchaîne. Alors, du coup là, tu me fais un petit passage sur les eaux, l'océan, la mer, tout ça. Ensuite, pareil avec les animaux. Et t'essaies de bien coller ce style un peu pompeux. Tu sais que j'aime bien. Ok, patron. Maintenant, écoute-moi bien, on va passer aux choses sérieuses. Je vais peupler la Terre d'un être à mon image, c'est-à-dire grand, beau, fort, intelligent, avec de la poigne, tu vois. Il me faut une vraie force de la nature, quelque chose de solide. Je vais l'appeler la femme. Voilà, elle va être bien. Tu vas la voir pour lui souhaiter la bienvenue. Et tu lui dis bien de pas toucher aux pommes, si tu vois ce que je veux dire. Alors ça va? Elle se plaît? Oui. Enfin, elle a déjà fait un bon tour du jardin là. Elle va commencer à se faire chier. Attends, même avec les arbres, les animaux, les poissons, tout ça? C'est pas contre vous, mais c'est pas un peu limité ces machins là? Ouais, je comprends. Faudrait peut-être que je lui ajoute de la compagnie. Quelque chose d'un peu moins évolué qu'elle. Vas-y, lève-toi. On t'enlève tes pouvoirs, on te rétrécit un peu, et puis ce sera parfait. Vous êtes sûr pour la taille? Oui, t'inquiète pas. Vous voulez pas? Non, vraiment, ce sera très bien. Je vais appeler ça le homme. Ça sonne bien, le homme, non? Herbe. Œuvre. Oh, oiseau! Oula! Salut, ça va? Ah ouais, vous l'avez pas loupé là. Ouais, j'avoue, j'ai peut-être un peu déconné quand même. Ouais, t'es qui? Tu t'appelles comment? Pomme! Ok, pomme. Chelou. Oh, lapin! Waouh, on s'amuse ici. Alors, je vais y aller, hein. A plus. Patate! Salut, tu t'es perdu? Tu cherchais ton chemin? Non, je me balade et l'endroit est plutôt joli. Tu as raison. Tu te plais ici? Bah en vrai, c'est plutôt bien foutu, les paysages sont pas mal et en plus il fait beau, mais on se fait vite chier quand même. Hein. Mais si tu souhaites te distraire, je peux t'aider. Je suis le serpent. Je connais bien cet endroit. Vas-y, dis toujours. Est-ce que tu es sûr d'avoir goûté tout ce que Dieu a mis ici? Ouais, j'ai l'impression. Non, je ne pense pas. Un seul mot, pas. Voilà ce que tu dois essayer. Mais attends, ce truc là? Oui, sûrement, j'imagine. Non mais tu déconnes, il faut vraiment que je mange ça? Oui, si tu en manges, un tout nouveau monde va s'ouvrir à toi. Ok, ben, je testerai à l'occasion. Hein. Allez, viens. Allez. Viens par là. Allez, viens. C'est Gabriel. Même si c'est pas une lumière, moi je l'aime bien ce garçon. Eh bah, elle aussi, elle aime bien, j'ai l'impression. Comment ça? Non mais dis pas qu'ils sont en train de... Alors, comment dire? Vous êtes pas du tout la patronne. J'aime bien en fait. Hein. C'est assez juteux. Plutôt pas mal, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est grave, patron. Mais Gabriel, vous êtes complètement con, ma parole. Vous avez bien rugi le serpent.
Oui, bah il m'a confirmé lui avoir parlé. Mais il a dû avoir une couille dans le potage. Putain, mais c'est pas compliqué. Le serpent lui dit de manger la pomme, elle mange la pomme, et moi, je la vire du jardin pour la suite. Gabriel, on recommence. On efface tout ça, et on prend juste après les os, les animaux, tout ce bordel. Et cette fois-ci, vous allez bien briefer le serpent. Ok, ce sera fait, patron. Cette fois-ci, je vais créer le homme en premier, et on verra ensuite pour la femme. Je vous condamne à être banni du jardin. Vous allez errer sur terre pendant le restant de votre vie. C'est ainsi que Dieu créa l'humanité. L'humanité ? C'est bien ça, patron ? Ouais, merci. Merci, Gabriel. Vous savez, ce n'est que le début d'une longue et belle aventure. Enfin, belle aventure, je rappelle quand même qu'elle a bouffé le premier homme. Ah, vous savez, il faut pas s'attacher aux détails, Gabriel. Enfin... D'ailleurs, on n'en parlait pas trop dans votre chronique. Hein. Comme vous voulez, patron.